Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un petit cours à taille, abdos, fessiers. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'un élastique. Bien, on commence par un petit échauffement rapide, on se met à l'écart, on plie un peu. On allonge sur les côtés, on change. Allez, vers le haut, on pousse le plafond et souffle, inspire. Encore, 8, 7, donc vous serrez bien le nombril dès le départ, 4, 3, 2, on grandit plus, on inspire, on relâche, squat en deux temps, tranquillement, plie, donc genou au-dessus de la cheville, serrez, soufflez, inspirez, sans claquer les genoux encore, plie, on accélère, tu peux balancer les bras, et hop, serre, allez, donc tranquillement, c'est que le début, allez, 4, serre, pousse bien le bassin, pousse. Prochain, tu restes en bas, dos plat, je me mets profil. On inspire, dos rond, souffle, bascule le bassin, serre abdos, fessiers, regarde ton nombril. Dos plat, inspire, dos rond encore, soufflez. Dernière fois, dos plat, inspirez. Et vous déroulez le dos. Étale pincée, pince, pince. Donc là, pareil, c'est que le chauffement, on y va tranquillement. On ira un peu plus loin avec l'élastique. Pour l'instant, buste droit, on serre le nombril, pince, pince, souffle, encore, 8, 7, allez, 4, 3, 2, ramène les mains à la poitrine, inspirez bien, dos rond, soufflez, grandissez, inspirez, relâchez, bras devant, rotation et tourne, tourne, baissez bien les épaules, allez, gainage, on ne bouge pas les fesses, on reste bien stable. Encore, ha, ha. Encore 4, 4, 3, 2, on revient, on ramène encore, on inspire, dos rond, souffle, lève les bras, pieds parallèles et squat en deux, tu pousses, tu vas t'asseoir et tu serres, inspirez, les genoux dans l'axe des pointes de pied, poids de corps sur les talons, on accélère, on en fait 8, inspire, serre, dos bien droit. Encore. 4 fois. 4. Serre. Encore 2. Inspire. Dernier. On étire un tout petit peu. Vous avancez votre pied flat. Je me mets un peu de bière. Pousse. Pliez votre jambe d'appui. Donc on fera appui dessus. Dos bien droit. On relève bien les doigts de pied. On peut fléchir un peu la jambe si on s'en sent un peu raide. Étirez bien vos ischios. Chaîne arrière. Donc ici, changez. Tirez bien et on déroule. Ok, allez, c'est parti pour la taille. Prenez votre élastique. Donc, si vous avez des élastiques avec des numéros, vous prenez le numéro 1 que vous allez mettre au pied droit. Et là, je vous propose de prendre le numéro 4. Mais si ça ne convient pas, vous pouvez changer. On n'a pas tous la même résistance. Mettez-vous à l'écart, pliez, tournez légèrement les pointes de pied, serrez le nombril et pincez sur votre gauche. Donc quand tu pinces, tu souffles. Allez, hop, tu tires sur l'élastique sans crisper ton épaule. Encore, visez bien votre genou. Il ne faut pas que ça bouge au niveau des jambes. Et trois petits, on reste. 3, 2, encore. 3, 2, encore, et pince, rebondissez bien sur votre taille, encore, allez, tire, 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 encore, 3, 2, allez, souffle, serre, encore, 3, 2, encore une fois, 3, 2, ok, on repart sur un temps, et 8, 7, souffle, allez, 4, 3, encore deux fois, hop, 3 petits et 3, 2, encore, allez, pince, 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 encore, 3, 2, encore une fois, allez, ça ne brûle pas, on y va bien, franchement, on repart sur un temps, et 8, 7, souffle, allez, tire, encore, 4, encore deux fois, souffle.
Et là, on va rester que des petits restes. Donc, c'est comme si vous aviez des ressorts à la place de la taille. Allez, emmenez bien votre élastique avec vous, qu'il y ait un peu de résistance. Allez, souffle. Souffle encore. Encore. C'est la dernière série. Restez. Petit, petit, petit. Allez, sentez que vous pressez bien la peau là. Allez, souffle. Souffle. Encore. 8, 7. Allez, 4, 3, 2. Et vous relâchez. On change tout simplement de côté. Donc, votre élastique, vous le mettez au pied gauche. Je vous propose le 4. On se remet à l'écart. On plie, on gaine. Étaille pincée. Inspire. Ha. Allez, même sensation. Allongez le côté. Pressez l'autre. Tirez et visez bien votre genou. Allez, souffle. Encore. 8. 7. Souffle. Allez, 4. Encore, encore. Hop. Allez, 3 petits. Restez. 3, 2. Encore. 3, 2. Souffle. Encore. 3, 2. On continue. Souffle. Souffle. Allez, toujours en 3. 3, 2. Serrez bien. Allez, 3, 2. Encore. Souffle. Souffle. Encore une fois. Ha. On part sur un temps. Et 8, 7. Souffle. Allez, encore pour 4. Accentuez bien parce que ça ne brûle pas tout de suite. Hop. Allez, 3 petits. Restez. 3, 2. Encore. Allez, pince. Pince, pince. Encore. 3, 2. Encore une fois, serrez bien. Il reste 3 séries. On repart sur 1. Et 8. Encore. Souffle. Souffle. Allez, 4. Encore, encore. Hop, ok. On va rester petit en bas. Reste. Donc, tu restes en petit ressort. Tu allonges bien l'autre côté. Tu tires bien sur l'élastique. Allez. Encore. Surtout, ne bougez pas les jambes. Restez bien stable. Allez, souffle. Souffle. Encore, encore. Et pince. Pince. Ha. 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 Allez, plus que 8, 7 et 4, 3, 2 et on relâche. Ok. Allez, on peut aller boire un petit coup si on le souhaite. Sinon, on va raccorder un autre numéro à l'autre pied. Donc, vous pouvez garder votre numéro 1 et après, je vous propose le numéro 5. Si ça ne convient pas, vous changez. On va passer sur les genoux. Donc ici, on part pour les fessiers, sur les genoux, sur les avant-bras. Vous gainez vos abdos. Vous allez allonger votre jambe ici, gauche ou droite, peu importe, on fera les deux. Vous allez partir sur fléchi et grand battement. Allez, bien dynamique. Plie, lance, plie, lance. Inspire. Pied flex. Pensez à rabattre les doigts de pied vers le sol. Allez, souffle. 4, 3, souffle. Inspire. Et petit battement. Donc là, tu restes. Tu ne rentres pas la tête dans les épaules. Tu allonges bien ton cou. Tu gaines tes abdominaux et contractez bien ici. Allongez bien avec le talon engagé en flex. Encore les petits battements. Souffle, souffle. Contracte, contracte. Allez pour 8, 7. Encore 4, 3. Et on reprend fléchi tendu, bien dynamique, sans cambrer. Inspire, souffle, inspire. Allez, encore 4 fois. 4. Tire, tire. Petit battement, tu restes. Lève, on va réduire un peu. Encore, allez, lève, lève. Encore 8 fois, souffle, souffle. Allez, 4, 3, et on reprend. Fléchis, tendu et plie. Allez, après, reste une seule série. Souffle. 4, allez, bien dynamique. Et lance. Et lance. Petit battement, c'est la dernière. Lève. Lève.
Encore 8, 7. Allez, 4 et 3 et 2 et vous relâchez. Bien, allez vous asseoir sur vos talons. Allongez bien les bras loin devant, relâchez bien la tête. Étirez bien fessiers, dos. Et on va faire l'autre côté. Allez, on se met sur les avant-bras. Présentez votre jambe pied flex. Gainage, fléchis tendu. Plie, lance, inspire. Allez, tire. Tire. Dos bien tenu, attention à vos lombaires. 4, 3, 2. Et petit battement, lève. Donc le premier passage, on en fait un petit peu plus, puis après on réduira. Allez, restez sur une amplitude très haute. Souffle, souffle. Allez, encore. Lève, 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 contracte, contracte. Allez, 8, 7, 4, 3. On reprend fléchis tendu. Et plie, lance, plie, lance. Allez, souffle. 4. Allez, bien dynamique aussi là-dessus. Hop, et plie, et lève. Et battement. Souffle, souffle. Essayez de ne pas rentrer la tête dans les épaules. Restez toujours aligné. 8, 7. Hop, encore. 4, 3. Fléchis tendu, reprends et plie. Lance, toujours dynamique. Souffle, souffle. 4, et hop, hop, encore deux fois, et battement, c'est la dernière, lève, 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 lève encore, souffle, souffle, 8, 7, allez, 4, 3, 2, et c'est fini, on va s'asseoir sur ses talons, on allonge bien les bras, récupérez. On va dérouler et on va enfin enlever l'élastique pour pouvoir passer sur le dos. Bien. Allez, on va reprendre fessiers et abdos. Allez, pas d'élastique. On s'allonge sur le dos. Déroulez bien votre colonne. Bien, donc ici, vous allez déposer la cheville droite sur le genou gauche. Relâchez les bras. On peut se mettre sur le talon si on veut corser. Gainer, fessier en deux, monte, serre et reviens sans poser. Donc vous serrez bien votre fesse gauche, ici, souffle, inspire, souffle, inspire, accélère, serre, reviens. Alors ce n'est pas un mouvement où on pousse le sol, on prend appui, mais c'est la contraction sur la fesse qui vous fait monter, descendre. Ha, encore, serre. Accélère un peu, serre, 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 ça se passe ici. Donc vous allez peut-être avoir un peu de chauffe sur l'ischio. Allez, hop, hop encore, 4, 3, on part en 1 et en bas, en haut, en bas, en haut. Inspire, souffle. Allez, 4, courage. Encore deux fois, serre, accélère, serre. Serre. Tenez bien vos hanches, respirez bien, serrez bien vos abdos, regardez bien le plafond. Encore. 8, 7, 4, 3. Là, vous allez bloquer, vous restez, vous serrez bien abdos et fesses. On tient 8 temps, statique, respirez bien. Allez, 4, 3, 2. Vous allez poser les fesses, par contre, vous gardez bien la cheville. Sur le genou, ici, vous placez les mains derrière la tête. Donc, votre genou droit est présenté. Sur deux temps, vous croisez l'épaule gauche en diagonale et vous revenez. Croise, souffle, reviens. Donc là, on part sur les obliques. Vous ne détachez pas le bas du dos. Détachez épaule omoplate opposée. Il faut vraiment que ça aille en diagonale. Souffle, accélère, croise et... Croise, dégage bien le menton, les coudes restent ouverts. Surtout, vous ne rabattez pas les coudes vers l'intérieur. Allez, croise, croise, souffle, encore,
8, 7. Regardez vraiment là-haut. Ha. Allez, 4, 3, 2, et 3 petits. 3, 2, encore. Souffle, souffle, souffle. Allez, 3, 2, encore. 3, 2, encore. Et 3, 2, souffle. Contracte, contracte, contracte. Encore. 3, 2, encore une fois, serre bien ton nombril. Un temps, dernière série déjà. 8, 7, souffle, souffle. Et 4, 3, 2, et vous relâchez la tête et bras le long du corps. On change de pied, option talon et sur deux temps. Vous serrez ici votre fesse droite maintenant et reviens sans poser. Serre. Reviens, option se mettre sur le talon, souffle et inspire. Donc profitez-en pour relâcher le cou, parce qu'après on fera les obliques de l'autre côté. Encore une fois, souffle, serre, accélère en haut, en bas, serre, serre, serre. Allez encore, souffle, souffle, allez encore, encore. On accélère un petit peu et serre, 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 hop, hop, hop. Veillez à garder les hanches dans l'axe, gainez toujours autant. Souffle, souffle, 4, 3, on repart sur un et, en bas, en haut, en bas, en haut, inspire. Allez, 4, serre, serre, accélère un petit peu et serre. Serre, hop, hop encore, souffle, souffle, encore, contracte, contracte, serre, attention, 4, 3, 2, tu bloques, tu restes statique, donc statique c'est pas juste je pousse le sol, je serre bien ma fesse, je rentre le ventre et on résiste encore un petit effort, 4 temps, 4, 3, 2, posez les fesses mais gardez le placement cheville-genou ici. Main derrière la tête. On va croiser l'épaule droite en deux temps. Diagonale et reviens. Puisque vous avez présenté votre genou gauche. Serrez bien votre nombril. Souffle. Inspire. Croise. Allez, sans détacher les lombaires. Visage dégagé. Hein, les coudes sont ouverts. On garde bien là-haut. Souffle. Accélère. Allez. Ha. Et croise. Croise. Encore. 4. Allez, bien dynamique là-dessus aussi. Encore 8 fois. 8. Souffle. Souffle. Allez, pour 4. 3. Encore 2 fois. Hop. 3 petits. Et 3. 2. Encore. 3. 2. La même chose. Souffle. 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 Ha. Allez, reste de série. On va garder nos 3 petits. 3, 2. Encore. Allez, toujours en rentrant le ventre comme d'habitude. Allez, 3, 2. Encore une fois. Souffle. Allez, un temps. Dernière série. Et 8. Souffle. Souffle. Allez, 4. 3. 2. Dernier, vous décroisez, vous allez vous grandir, inspirez bien à fond, et soufflez, relâchez. Pour finir, genou poitrine, on croise les chevilles, il faudra rentrer le ventre évidemment, main derrière la tête. Ok, on va combiner relevé de buste et enroulé de bassin. Donc ici, sur deux, tu enroules, tu lèves la tête et tu reviens. Tu souffles sur l'enroulé et tu reviens, tu inspires. Alors surtout, vous ne vous cachez pas dans vos genoux. Donc vous ne faites pas ça. Hein, ça, non, non, non. Hein. On garde bien là-haut, on rentre le ventre. Si c'est un peu dur, eh bien vous faites seulement le haut. Hein, si c'est le bas qui coince ou inversement. Hein. Encore. Allez, souffle.
Inspire, encore. Souffle. Et puis, on accélère. Ha. Donc surtout, le menton loin de la poitrine, les coudes restent ouverts, enroule et ha. Donc si jamais j'ai mal au cou, dans ce cas-là, je ne fais que le bas du corps. Et si c'est le bas qui coince, vous ne faites que le haut. Alors encore, ha. Si ça va, vous faites bien la coordination directement. Souffle, souffle, ha. Encore. Allez, encore 8, 8, 7. Rentre toujours le ventre au maximum, c'est ça qui vous permet d'enrouler. Ha, ne prenez pas d'élan. Hein. Encore. Allez, deux temps, tout doux. Enroule, souffle et reviens. Contracte, souffle, regarde bien là-haut, force ça sur la tête. Allez, souffle. Sentez que vous avez un appui dans le sol avec le dos là, à la force des abdos. Encore. Contracte, reviens, souffle, attention à ne pas creuser hein, sur le retour, hein. Contracte, encore, souffle, on accélère, ha, ha, allez, souffle, souffle, contracte, allez, enroulez mais sans forcer, encore, ha, il reste une série, 8 répétitions, allez, 8, allez, courage. Ha, toujours bien dynamique. Ha. Ha. Allez, 4. 3. 2. Et le petit dernier. Et on relâche. Ok, posez les pieds, grandissez-vous. Inspirez bien. Relâchez. Attrapez la cuisse droite en dessous. On inspire et on allonge la jambe vers le plafond. Pied flex. Si c'est raide, on fait un peu le genou et on étire la chaîne arrière. On pose, on change, on inspire et on allonge pied flex. On relâche, attrapez vos genoux, inspirez bien. Front genou, mettez-vous en boule, soufflez. On repose et on va se laisser tomber sur le côté pour venir s'asseoir tout simplement et se mettre par exemple en tailleur. Main au sol, inspire vers le haut et allonge la taille. Soufflez, pas d'épaule haute, on fait attention à son placement. Et vous changez, on inspire et hop, on change. On revient, on décroise et pour revenir debout, il faut bien dérouler son dos. Donc pensez à le faire étape par étape. Le bas du dos, le milieu, le haut, les épaules, la tête en dernier. Et on va terminer de face. À l'écart et fléchis. On reprend la taille. Là, vous soufflez. On inspire sur le changement. Soufflez. Une première grande inspiration. On relâche. Et une deuxième fois, inspirez. Tirez vers le haut et hop,